Ah, le château, la citadelle! Et voilà, et là on débloque les upgrades supplémentaires. Et là on a... Et des amis. Nous avons des amis. Faut que je l'ai, c'est là en fait. Ah, la difficulté c'est que... y a des mecs volants. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Plus... Ça. 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 Je peux les bouger, je crois. Non ? Merde. Je peux les bouger, hein ? C'est vrai que je pouvais les bouger. Ah non, je peux pas les bouger. Il me semblait que... D'accord. Ok, je les fous. Là, faut que je les protège, quand même. C'est des qui meurent, après je les ai plus. Oh, y a des moutons morts partout ! Y a des villageois morts ! Ce qui était dommage, c'est que le Wayne's World 2, c'était quand même une pâle copie du 1, en quand même en moins bien. C'est vraiment la même chose, c'est les mêmes intrigues. C'est les mêmes gags, en reformaté, mais en moins drôle. Et ça, c'était dommage. Donc le 1 est vraiment le meilleur. Île des paladins passe sur les PNJ. Quelle île de paladins? Ah, d'accord, ok. Avoir de la thune, ça donne envie à toutes les michetos d'être avec moi. Eh ben oui, tu m'étonnes. Même les potes, au final. Hein. C'est les mecs qui demandent des stages et tout ça, au final. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelque part, ben, je veux tourner autour, tu vois, genre la mouche à merde. Bon, c'est une mauvaise image. On va dire l'abeille autour du miel. Jusqu'au jour où la personne vient te voir et te dit « Ah, tu sais, j'ai une idée, j'ai un projet, ça va marcher, ça va être cool et tout, puis on est potes et tout. » T'aurais pas un petit 100 000, un petit 200 000, voilà. Bon, hein, on les connaît. Alors, coïncidence, je ne crois pas. J'avoue, mais dans ce cas, les Austin Powers, il n'y a plus d'intérêt à partir du 1, parce que tous les propos du gars des années 70 qui déboulent dans les années 2000... Allez, j'avoue. Le 1 se laisse regarder parce que les gags étaient quand même assez cool. Je crois que j'ai un meilleur souvenir du 1 que du 2. De Austin Powers. Je crois que le 2 c'était un peu le même délire quoi. C'était les gags ressuscés un peu du 1. Et l'histoire pas très intéressante, je crois. Ouais, je me souviens plus de l'histoire du 2 en fait. Je crois qu'il revient dans le passé, non? Un truc de genre. Il retourne dans le passé, je crois. Bon, elle, je vais la mettre là, histoire qu'elle gagne des niveaux. Des mouches à merde, mais il y a des gens qui sait battre les couilles que tu es riche. Oui, il y en a. Mais bon, ça se compte sur les doigts d'une main, malheureusement. Ah, voilà les ennemis volants. Il retourne dans le passé avec Madonna avant. Ah bon? Putain, je me souviens pas de ça, quoi. The Flyers! Ah merde. L'archère devrait faire le café.
Alors, moi, un jour, un de mes potes me dit, tu as pas 5 balles pour que j'aille acheter des clubs, je viens, je vous fais 5 balles, c'est pas beaucoup, je lui donne 50. La générosité d'un homme. Il te les a rendus au moins. Si jamais tu cherches des amis. tu cherches des amis. Il reste de la place dans tes amis. On peut déjà être amis sur Facebook. On peut être amis sur ton société sur ton Facebook. Je peux avoir ton crédit agricole. Je vais. C'est quoi comme armure ça déjà? Ok, je vais faire les archers du coup. Ça, faut juste éviter que ça nous bute les paladins. Je veux plus, tu m'as tué. Tu m'ajoutes sur Farmville. Farmville, putain, mon cerveau est complètement sec, j'avoue. Farmville, ça existe encore, cette merde. Ok, donc eux, ils ont de la résistance magique un peu chiante. Faut que je booste eux, du coup. Je les bloque. Je suis non fumeur, mais si t'as 50 euros en trop, n'hésite pas, Bora, oui, pour que j'aille m'acheter pas des clopes. J'ai dit, tu peux me passer ton compte en banque. Ah, c'est une blague, ça, non? Ah merde, j'ai perdu un peu là-dedans. Ça, ça a pas d'armure. Les archers là, oui, oui, oui. C'est le pire. Tu es. Je me demande quelle sensation ça fait. J'avoue, je suis curieux. Moi, c'est vraiment une sensation que j'aimerais avoir, tu vois. Mais tu peux nous le dire. Le simple fait de savoir que tu as une telle marge de sécurité, de ne pas avoir ce stress-là, tu vois, t'as le stress du boulot, mais au moins tu n'as pas le stress de la fin de mois ou du fait que tu as cette galère-là d'argent, tu sais que tu as de la marge, tu es quand même large. Je me demande quelle sensation ça fait. Après, peut-être tu vas me dire que malgré le fait que tu aies un compte, une réserve de 2 millions d'euros sur ton compte entreprise, peut-être tu vas me dire si ça se trouve ce n'est pas une grosse marge au final par rapport à ton activité et qu'en fait... C'est vraiment le minimum syndical au cas où, quoi. Parce que à tout moment, dans une semaine, faut que tu claques 500 000 dans, je sais pas moi, une licence, du matos. Je prends les 2 millions, je me casse là où personne te retrouve. Ouais. Après, il y a un délire, je crois, à partir du moment où tu gagnes. Enfin, pas que tu gagnes, mais. Je crois que c'est possible. Un ballon de ça, Black. Oui, oui, oui. Bon, après, je me dis quand même 2 millions. Enfin, je veux dire, t'as quand même une énorme marge. Donc, après, je sais pas à quoi ça équivaut en termes de dépenses aussi, toi, ton activité. Ça va être énorme. D'ailleurs, je sais plus si tu m'as répondu, mais tout à l'heure, je t'ai demandé ton capital. Et au final aussi, c'est par curiosité, c'est quoi ton chiffre d'affaires annuel? Juste par curiosité. Ça, et je vais booster ça. Les banques en profitent énormément sur leur taux. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'après, il y a un délire. Quand tu sais que t'as un compte au-dessus, genre t'as 100 millions d'euros, au final, tu peux complètement arrêter de travailler, quoi. Tu ne touches pas à ces 100 millions, mais par contre, tu peux vivre annuellement des intérêts. Parce que... Si t'as un intérêt à 1 ou 2%, 1 ou 2,
5% ouais, sur 1 million d'euros, c'est juste énorme, quoi. Pas 1 million d'euros, sur 100 millions d'euros, c'est juste énorme. Ça te fait 1 million par an, quoi. C'est... d'intérêt, quoi. C'est juste énorme. Tu prends mon chéquier, je vais tiens pour t'acheter une vie et tu as juste pas peur d'être dans la merde, mais bon, je suis pas le genre à prendre la grosse tête, donc je reste comme... Mais oui. Bon, tu restes comme avant, sauf que tu es comme avant à Los Angeles, quoi, en fait. Un jour, il y a une des deux découpeuses laser qui a arrêté de marcher sans aucune raison. Je te raconte pas la pénurie et la tension. Au final, ils ont dû moyenner et faire les 3-8 sur la machine restante pour garder la... Ah, oui. Mais après, je te dis, il y a les assurances pour ça. Donc au final, tu perds pas d'argent. Hein. Il n'y a pas de perte. Parce que les assurances sont censées te couvrir sur le matos et aussi sur la perte d'activité. C'est le principe des assurances, surtout dans ces métiers-là. Même nous, notre assurance, elle nous couvre sur la perte d'activité. J'ai une couille, je peux pas travailler un jour, ben j'ai l'assurance qui va payer derrière. Bon, il faut les objectifs, les justificatifs, mais les assurances vont couvrir. Ah merde, j'aurais dû me faire... Pas grave. Je vais faire ça. Ah, je crois qu'il y a un boss d'ailleurs. Je vais ramener mon perso là pour qu'il prenne les niveaux. Je sais plus, faut que je vérifie, je m'occupe de tout ça. Oh, le mec. Tu as changé, tu n'es plus comme avant. Je pense que tes débuts, tu devais vraiment regarder les chiffres. Le mec, maintenant, il peut se permettre de plus regarder les chiffres. S'il bat les couilles. Si ça se trouve, t'en sais rien. Hein. Si ça se trouve, ton compte à 2 millions, il est vide. Hein. Il est à moins 2 millions. Fais pas tout et les banques font les grosses putains avec les industries. Si, je suis sûr, les assurances... Enfin, si tu payes une assurance... déjà, tu payes le prix, mais ça te couvre. Hein. Y a pas de négociation possible. Les mecs, t'as même moi à mon petit niveau. Moi, les assurances, j'ai pas... J'ai pas de scrupules, quoi. Avant que je parte à Singapour, j'ai eu une couille sur mon ordi. Ils nous ont payé 2000 balles. Ils m'ont remboursé le fait que j'ai dû me racheter une carte mère, machin truc et tout ça, quoi. Donc effectivement, il y a un expert qui est passé, qui a analysé le truc. Bon, il était pas si expert que ça, parce que ce qu'il a juste fait, c'est qu'il a regardé la tour et puis bon, bah ok. Je suis sûr que ton compte à 2 millions, il est liquidé. Je suis sûr. Tu t'es fait baiser. On t'a eu. Ton assistante, voilà. Elle t'a tout piqué. Alors, il y a le boss... Il y a le boss qui va pas tarder, je crois. Dernière vague. Je reste sapé avec mon jean et mon sweat à capuche. Je suis pas en costard cravate et je mange pas du cravate. D'accord ? Et non, le compte de sécu, je vérifie tous les jours, mais si je m'occupe des chiffres, je vais rajouter... Un ou deux zéros en trop. Ah, t'es pas très bon en administratif, c'est ça que tu veux dire? Ok. Ok. Peut-être booster ça pour le coup. Au cas où. On avait expliqué que les banques... C'est... Ah oui. Bah, explique que les banques faisaient bien les chiennes et souvent mettaient bien dans la merde, rien qu'au niveau du temps de démarche. Après toi, c'est du matos cher. Et t'as pas... Je parle pas des banques, hein, je parle des assurances. Je parle pas de la... C'est pas la même chose, je suis désolé. Qui brasse quantité de clients et de commandes et tout. Oui. Non, mais après, y a un principe aussi. Merde, j'étais en pause.
Il y a un principe aussi avec les banques, c'est que les banques ont... Quoi qu'il en soit, et c'est juste dégueulasse, je comprends même pas qu'en termes humains, les banquiers... C'est pour ça que j'ai pas d'amis banquiers et que je comprends pas des gens qui ont des amis banquiers, c'est juste... toutes les banques et tous les banquiers ont une politique de il faut garder le plus possible les gens endettés. Et que du coup, s'ils ont des problèmes sur leur compte, c'est mieux pour la banque. Donc on ne peut pas leur prêter. Malgré le fait que sur les prêts, il y a quand même des gains avec la banque, parce qu'il y a des taux d'intérêt. Donc ils peuvent gagner dessus, mais ils ont plus à y gagner que les mecs soient endettés plutôt que les mecs aient du fric. Banque égale assurance dans ma tête. Je crois qu'il y a un principe très con qui au final s'applique et peut s'avérer exact en fait. Sous une forme de blague, je crois d'ailleurs. Et je crois que énormément de banquiers, je crois que tous les banquiers connaissent. C'est que par exemple, t'as 5 mecs, ils ont tous une dette les uns envers les autres. Genre, machin doit 50 balles à machin, machin doit 50 balles à machin, machin doit 50 balles à machin. Donc du coup, ils payent tous des intérêts sur le fait qu'ils soient tous en négatif. On raisonne comme ça. Donc du coup, leur dette s'empire. Ok? Et que un jour, quelqu'un, admettons une banque ou disons un mec lambda, il vient chez le premier mec, et lui dit, voilà, je te file 50 balles, Si tu m'autorises... Merde, attends, y'a le boss, ça, putain. Lui, je vais le booster. Donc il vient chez le premier mec, donc il lui file 50 balles et il lui dit ouais, je te file 50 balles, je paye le fait que je passe du temps avec toi, par exemple. Donc le premier il a 50 euros. Grâce à ces 50 euros, il peut rembourser le deuxième mec parce qu'il avait une dette de 50 euros. Donc il lui paye ses 50 euros, il vient de le rembourser. Le deuxième mec, du coup, vient de récupérer ses 50 euros qu'il avait déjà prêté à un autre mec. Et du coup, lui, il a aussi une dette de 50 euros avec le troisième mec. Donc, il lui file ses 50 euros. La même chose avec le troisième et le quatrième mec. Ah merde, mon héros fait plus rien. Je vais foutre, là. Non ! Pas que ça passe, là. Tac, tac, vas-y, je protège, tac, tac, tac. Ok. Et du coup, le quatrième, avait une dette de 50 euros avec le premier. Du coup, il refile ses 50 euros au premier gars, donc le premier qui avait déjà reçu les 50 euros à la base. Et du coup, plus personne n'a de dette. Et le premier récupère les premiers 50 euros que le client lui avait amené, ou le banquier par exemple, lui avait amené. Et sauf que le banquier... le premier, il a pas forcément besoin de ses 50 euros. Donc il va dire au mec, au banquier, écoutez, je vous redonne vos 50 euros, c'est gratos. Ou alors, le banquier dit « J'aimerais bien reprendre mes 50 euros, parce qu'au final, j'aime pas rester avec toi, parce que t'es qu'un con. » Donc il reprend ses 50 euros. Et du coup, résultat, aucun argent n'a été dépensé. Le mec, le client ou le banquier qui était venu pour prêter les 50 euros a retrouvé son argent, donc il n'a rien déboursé. Et tout le monde a remboursé sa dette. Et donc là, c'est un principe, en fait, on oublie les intérêts, il n'y a pas d'intérêt. Mais si on avait admis
que si les mecs, tous les mecs étaient restés endettés, on aurait pu appliquer des intérêts, tu vois. Donc du coup, là, il y a du, il y a de la perte d'argent pour tout le monde et du gain d'argent sur la personne qui a endetté tous ces gens, tu vois. En l'occurrence, la banque. Si t'es endetté, disons que t'es en négatif sur ton compte, tu vois. Donc, quasiment tous les banquiers connaissent ce principe-là. Et donc, ils jouent là-dessus, en fait. C'est simplifié à mort, mais en gros, c'est ça qui se passe, quoi. Si les banques prêtaient, ça règle des problèmes, en fait. Ça règle trop de problèmes. Donc, il faut laisser des problèmes. Il faut laisser des problèmes. Aux gens. Parce que sinon, la banque n'a plus l'intérêt d'exister. Et oui, les intérêts baissent ce principe, et oui. Donc les banques, on gagne plus sur les intérêts débiteurs que sur les intérêts d'un prêt. Ok, bon, on a passé le boss tranquillou. Ah, tranquillou bilou. Ah, du coup, je vais faire une petite pause quand même, hein. Je vais aller me chercher un petit café. Et je vais booster. Ça me dit bien d'avoir les... Attends, je vais faire reset. Je vais me booster full ça. Ouais non, c'est pas bien. Ça m'intéresse d'avoir les paysans full en fait. Ok, du coup, je vais faire ça comme ça. Ok. Là. Donc on avait vu cette logique avec mon prof de maths, c'était sympa. Les intérêts baissent seulement ce principe, justement. Oui, voilà, on vient de le dire. Voilà, tu me fais me répéter, tu me fais te relire, Jackie. Et je n'ai pas dit bonjour à Jacquamano. Mais bon, c'est triste hein, de vivre dans un monde comme ça où, au final, les banques, leur but, c'est de prêter, au final, si on oublie leur intérêt. Le but d'une banque, c'est de prêter de l'argent. Donc, elles peuvent se gagner de l'argent avec ça. Sauf que, elles peuvent plus gagner en foutant les gens dans la merde, c'est-à-dire en étant inhumains, bah, elles préfèrent faire ça. C'est juste de la tristesse absolue. Pour moi, si j'étais président des États-Unis de la France, eh bien, je forcerais les banques à prêter, à arrêter de rejeter les demandes de prêt. Surtout pour les gens qui sont dans le besoin. Parce qu'on ne laisse pas quelqu'un dans la merde. Et de toute façon, la personne remboursera, de toute façon. Voilà. Il y a plein de méthodes pour aider les gens à rembourser leurs dettes. Donc, elles rembourseront leurs dettes. Et arrêter complètement les prêts à des taux de 15%, des taux immondes, 20% même. C'est les prêts, je sais plus comment ça s'appelle, Kofinoga, Kofidis ou je sais plus quoi. Les prêts immondes à 15% d'intérêt, c'est juste une dégueulasserie absolue. Pour moi, des taux d'intérêt ne doivent jamais dépasser, pour moi, entre 5 et 10%. Même 5%, c'est énorme. Je veux dire, proportionnellement, ok, un prêt à 2000 balles, une banque se fait 5%, mais si elle fait 100 000 prêts à 5000 balles... À 5%, pardon. Si elle fait 100 000 prêts à 5%, 100 000 petits prêts à 5%, mais elle gagne énormément. Elle gagne énormément. Donc, les banques sont greedy comme ça. Et j'ai un pote, d'ailleurs, qui est comme ça, même c'est un de mes associés. Et je n'aime pas ça de lui. C'est ce côté greedy, quoi. Faire payer plus. Toujours aller chercher un peu plus. Ouais, mais tu vois, si tu vends 100 000 produits à ce tarif-là, si tu sais que c'est 100 000 produits, si quoi qu'il en soit, tu vas les vendre même plus cher, ben, faut les vendre plus cher. Moi, j'ai envie de lui dire, non, c'est non. Tu ne vends pas plus cher quelque chose qui n'a pas besoin d'être plus cher.
C'est... Ok, il faut gagner du fric, il faut gagner sa vie, mais pas au point d'aller à ce point, voilà, monter ses tarifs, survendre, surévaluer les choses. Et même, au contraire, tu peux justement perdre des ventes. Je préfère vendre pas cher quelque chose qui va se vendre 1 million de fois, plutôt que vendre quelque chose de très cher et de le vendre que 1000 fois. N'est-ce pas, Emile? Si t'as fait une erreur, bah t'as pas le droit. Allez, la citadelle est en héroïque. La citadelle en héroïque. Donc eux, je peux pas les bouger. Hein. Ouais. Dans tous les cas, on fait ça. Ça. Je pense même faire ça. Petit upgrade. Et on va faire du... Ça. 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 Et je vais booster cette tour. Ouais, je suis bien là. Allez, je vous attends. Je vais taunter avec mes boucliers. L'archer qui route en zone est tellement... Oui, j'avoue. Ouais. C'est vrai qu'il est très fort. Là, faut que je protège les paladins parce qu'ils se heal. Et ils heal les autres, je crois. Ça, je booste. Les Dark Knight. C'est le Dark Knight. Ils ont de la putain d'armure. Et ça, je booste. Il faudrait pas que mes paladins crèvent. Par contre, faudrait focus les ennemis volants, les archers, putain. Putain, fait chier. Ah merde, ils ont pas focus les ennemis volants, putain, quelle bande d'enfoirés. Ok, nouvelle strat. Tac, 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 et là du coup je vais faire que des mages. Et un archer ici, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La symétrie approuve cette strat. Oui. Ah, mais c'est vrai que mon black est peut-être un peu gros là, en fait. Si je vais le réduire. Parce que du coup, il bloque un peu la map. Je vais le mettre là. J'ai même pas fait gaffe, personne me le dit. Il y a une Dark Knight. Reinforce.
Ça passe, non? Il faut que les paladins survivent. Ok, ils ont survécu. Et faut le buter, lui! Ah merde! Ah mes couilles! Mes couilles là! Ah ouais, bah il y a quand même du monde. Même s'ils disent rien. Ok, alors Restrat. Restrat. Soit je focus comme ça. Hein. Les... Ça, ça fait plus de dégâts que les soldats. Ok, et là du coup je vais faire, juste au cas où, des tours de magie ici là au cas où ça passe. Peut-être sur la map précédente ça gênait un peu, tu vois, ça a bloqué la vue des araignées, c'était le... Les araignées arrivaient derrière moi en fait, donc c'est un peu dommage. Ils sont putain de costauds ces mecs là. Ça ne devrait pas passer. Les paladins sont vivants, donc tout va bien. Ok, je vais pouvoir construire ma tour d'archer. Enfin, je booste les tours de mage. Là, ça passe, là, ça passe. Salut Peach 72. Si tu crois que j'ai perdu un paladin. Oh, j'ai perdu deux paladins. Oh, ce n'est pas bien. Ok, eux je les fous là. Star fou là. Je t'y passe lui là. Eux je les booste, il me reste un paladin là. Oh, j'ai plus de paladin ici, putain. Zut! Sir Spencer, je n'ai plus que Sir Spencer. Et je vais essayer de booster ces tours-là, peut-être d'abord.
Ça fera plus de dégâts. Ils sont beaucoup. Les gros. Salut Manoric. Et toujours pas couché Manoric? Ou tu viens de te réveiller peut-être? Il est quelle heure? 6h40, t'as dû te réveiller. Bon, normalement demain on peut faire notre live et normalement je ne devrais pas être dérangé. Normalement. Non, ça devrait bien se passer. Je viens de me lever, et oui. Et oui. Ok, je sais plus si les archers ils ont de la résistance magique. Ah, c'est eux qui ont de la résistance magique, c'est génial. Il focus plutôt la gauche que la droite. C'est cool. Je vais les booster. Et aussi. Pour en bloquer un max. Alors eux, ils ont de la petite résistance magique, ok. Et ils vont être super relous. Et ça, ça va faire le café. Parle pas, Twitch bug et je vois pas leur message. Ah bon? Ah d'accord. Ouais, mais de toute façon, ils parlaient pas. Là, y'a que Manoric qui vient de popper. Et t'as peut-être raison, hein. Attends, je vais actualiser, hein. Si ça se trouve, moi c'est pareil, je vois pas les messages. J'actualise la page, même si de toute façon j'ai restream. Mais même sur restream, je vois pas, donc... Voilà. C'est comme si les mecs sur YouTube aussi ne parlaient pas, alors qu'il y a 4 mecs quand même sur YouTube. Allez, envoyez là, envoyez. Ok, donc ça c'est très très bien, je vais booster ça. Je vais peut-être y booster. Ah, Manoric voit tes messages, et moi je vois les messages de Manoric. Ok, bon ça devrait aller là, ça a l'air de faire le café toute ma disposition. Effectivement, la symétrie a validé ma strat. Et effectivement... Et toi tu me vois, Yosilvas? Est-ce que tu me vois là? Est-ce que tu me vois? Tchouf, 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 tchouf. Oh, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Vas-y, on va buter ces mecs là. Sinon, ils vont être chiants. Nous allons faire des paladins. Non mais d'où il passe lui? Si je vais faire les... Ah non merde, ça c'est le téléporte. Zut. Je voulais faire le rect, le one shot. On te voit, on t'entend 5 sur 5, monsieur Black. Oui, je vois le Black bouger, ok.
ça va. C'est la win. Salut Sabef, et malheureusement au revoir. Ok, time to go to work. Eh ben les bisous, bon travail mec. Et victory. Moi je suis très content, Je vais peut-être faire le mode Iron de la Citadelle, et puis après je vais juste continuer les nouveaux niveaux, je pense. Nouvelle upgrade, je vais upgrade l'artillerie, là. Du coup je vais faire le mode Iron de ce niveau, et là on a accès que aux soldats. Ah ok, mais on a déjà des tours de mage. Ok, donc déjà, tac, tac, déjà. Ok, je vais faire ça, ici. C'est Miguel. Ah ok. Salut Miguel. Oh putain, ça faisait une paye Miguel. Ok, je fais ça. Je fais ceci. Et du coup, je pense que je vais booster les tours de mage maintenant. Je vais activer les téléportations, tout ça. Donc ça c'était, en fait c'était plus d'ennemis, et de base ça en téléporte 4, ok. Et il y a un cooldown de 10 secondes. D'accord, mais le boost n'augmente pas le cooldown. Enfin ne réduit pas le cooldown plutôt. Ok, maintenant je vais faire les one shot. Voilà les chamans. Ah, je vais peut-être booster les mecs en fait d'abord. Parce qu'effectivement s'ils passent ils sont un peu chiants. Il y a du combat à l'épée hein, je pense que ça s'entend. On se concentre sur cette zone, le one shot. Faut que je reste éveillé plus longtemps moi si je veux la statuette. Ah. Ah, je pourrais rémunérer ton stage avec une statuette si tu veux. Si ça te va, moi ça me va hein.
Je vais te mettre ça, hein. Ça aussi, du coup. Ça passe et ce n'est pas bien. Ouf, Jackie, je sais pas. Il est first, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Le truc, c'est que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, le gain de statuette. Ça fait très longtemps que je n'ai pas offert de statuette. Et on va le niquer comme ça. Eux, on va les booster. Eux aussi, du coup. Il y a les gros là. Je vais essayer de les booster. Je vais booster mes petits bonshommes. Deuxième. Ah, mais c'est qui le premier alors? Oh, mon level 6, d'accord. Allez, si tu parles dans le chat, tu vas gagner plein de niveaux, mec. Pour gagner des niveaux, faut juste parler dans le chat, en fait. Si je me souviens bien. Il faudrait que je mette le one shot sur lui là. Et la rigueur. Tac, tac, tac. Tac, ça va débloquer un peu. Ah, Jackie est premier, level 38. Ah oui, c'est incroyable. Deuxième Mercerar, troisième Dragoul. D'accord. Pourtant, Jackie vient de moins en moins hein, ces temps-ci. Et j'ai fait en sorte à ce que du coup, le niveau, t'as une réduction de points, mais très légère. Faut vraiment que ça soit sur le temps de ouf. Si tu n'es plus trop actif sur le chat. Ah merde! Non! Oh non, mec! Oh, je l'ai loupé! J'ai monté un smurf. Génial, j'ai loupé. Ok, donc, nouvelle strat. Vas-y, on va les ramener tout de suite. Nouvelle strat, je vais plutôt booster les guerriers du coup. Et plus de 31, vas-y, bah spam. Si tu spam, c'est bon. Quel est le survivant? Ah, ta. Reinforce.
attaque, eux je les boost. Je vais booster one by one, je pense. Les paladins, tac. Les paladins de la lumière. C'est vrai que ça fait très paladin de la lumière, hein, parce que c'est genre healing light. C'est marrant, hein. Dès qu'on pense paladin, on pense lumière. Tac. Très bien. Ça fait le café. Du coup, je vais booster les autres. Là, s'ils sont trop loin. Et voilà les gros. Et voilà les gros. J'en pose juste quand les gros arrivent. Ça avait juste pour la fin. De quoi ? Si peu, je vais les rect. Tac. Ouais, grosse défense là. Très grosse défense. Donc quoi comme pouvoir déjà, ça fait des dégâts. Et des dégâts de zone, ok, c'est pas fou. Ils sont combien de PV, 720, ouais c'est pas fou. Avait planté. Ah oui d'accord, le jeu en pause, ok d'accord. Ouais non, ça avait pas planté, c'est juste que j'avais switché sur Facebook. Dès que je quitte le jeu en fait, ça met le jeu en pause. Tac. Was it me? You shall not pass. Exactement, ça ne passe pas. Ah là, ça tient bien là. Tellement bourré les paladins. Canaille future.
Tu es drôle. Tu es drôle. Ce mec, il a écrit « You shall not past », du coup « past, passé, canaille futur ». Ce mec est tellement dans le futur, Yo Silvas. Ce mec ne laisse aucune place à l'erreur. Il y en a un qui est passé, là. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Ok, bon, bah, ça sert à rien. Et c'est le GG! Allez, on les termine. Il prend tellement cher. Il fait le cœur de blague de merde, ça a l'air de marcher. Et ben voilà, donc mission terminado.